nouvelle campagne de recrutement. Pourquoi je peux pas recruter un diplomate ou un médecin là? Ouais, Azurami veut ronquer. Est-ce que je peux lui donner un ordre? Est-ce que je peux lui dire, a besoin d'un casier, Azurheim. Il a besoin d'un casier, d'accord. Alors j'aime bien parce que il a plus besoin d'un casier que d'un lit. Il fait pas confiance à ses coéquipiers, il a peur qu'on lui pique ses affaires. Je voulais regarder si je pouvais pas l'envoyer directement dormir, par exemple. Je peux pas lui dire va dormir. Ah, qu'est-ce qu'on a ici donc? Le corps, vide. Ça, c'est verrouillé, je peux pas le faire. Et ça. Affinité avec Xavier. Ok, ben vous êtes potes, vous deux. Azurheim et Xavier. Allez, faites-moi ça. Il faut que je vous fasse une deuxième chambre. En tout cas, c'est bien sympa pour l'instant. Ok. On va mettre des lits. Alors, on va mettre trois lits. On va mettre dans quel sens? Comme ça. Et trois casiers. Voilà. Et une porte, hein, bien sûr. Ok. Est-ce qu'on peut affecter... Non, mais c'est bon, ils se sont affectés les lits tout seuls. Excellent. Ça, c'est fait. Ah, j'avais pas vu ça. Xavier Rubichu n'est pas en état de partir en mission. Fa 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 a trop faim pour partir en mission. Ça tombe bien, c'est pas vous qui êtes parti. Je les ai envoyés en mission ou pas? J'ai pas encore envoyé. Où c'est que je peux voir ça d'ailleurs? Fa 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 discute avec Azurheim. Il a pas l'air super jouasse. Xavier est super content. Prilcop et fa 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 moyen. Où est-ce que je peux voir s'ils sont en état de partir en mission? Ah, c'est peut-être ça, le besoin social est un peu élevé. Ça va. Fa fa fa. Ah, fa fa fa, tu es fatigué, ouais. D'accord. Et le troisième de la mission 2. Azurheim, ouh. Fatigue mentale. Résumé du budget de la période. On est à plus 14 000 dollars, ce qui est pas mal, on est bénéficiaire. Résistance au chaud, c'est le sujet de brevet impopulaire du moment. Croissance accélérée, le sujet populaire, hein. Est-ce que d'ailleurs on a rien pour ça? Je crois que au niveau des brevets, on n'a pas grand-chose. Non, on a de la régénération et du textile. C'est pour ça que j'aimerais bien envoyer des gens en mission. Je l'ai dit ça déjà. Discute, dors, dors. Ah ben les trois, ils sont inoccupés là. La mission 1, vous repartez en mission. Ça suffit. Allez. Annuler la mission de l'équipe. Ah, mais d'accord. Celle-là, elle est déjà lancée. Je pense qu'ils n'y vont pas tant qu'ils sont pas en forme. 20, 20. De toute façon, il faut qu'on remette un générateur. On n'a plus assez pour partir en mission. Enfin, pour en tout cas aller voir une nouvelle planète. Donc, il nous faut un générateur. Un deuxième générateur. Voilà. C'est bon, on a le générateur. Très bien. Donc là, on va envoyer où? On n'a que des missions scientifiques pour l'instant. Aucune menace, tout ça. Bon, ça va, hein. Ça a l'air plutôt simple. Aucune menace détectée. 20. Niveau 2. Niveau 2. Niveau 1. Ça coûte 50 par contre. Allez, on va aller là. Je regardais si ça ne nous marquait pas quelque chose. Donc, moyenne de niveau 1. Allez, on y va. Ok. Est-ce qu'ils ont des traits, les personnages? Donc ici, c'est corps, force mentale, perception, sociale, savoir et logique. Et là, cet attribut augmentera d'un point lorsque le guetteur gagnera un niveau. Cet attribut augmentera de plus d'un point lorsque le guetteur gagnera un niveau. En savoir. D'accord. Alors vivement qu'il gagne un niveau. C'est bon, ben ça y est. Là, on va être tranquille. Ça va être calme. Tout le monde est parti. Tout le monde est en mission. On a juste les petits robots. Allez, je me mets derrière la vitre et je vous regarde partir. C'est un peu comme un train. Ok, donc 5 jours à attendre ici pour la mission 2.
6 jours pour la mission 1. C'est pas écrit dans mon contrat. Bien sûr que si. T'as pas lu les petites lignes en bas, toi. C'est sûr. Oh, c'est joli, on a un petit poster ici, c'est sympa. Alors, obtenez 5 théories, écrivez un brevet, tout ça, on l'a pas encore fait, on va attendre. Je pense que là, avec leur retour, on va pouvoir le faire. Il n'a pas de nourriture disponible pour les guetteurs. Bah si. Ah. On a fait une découverte intrigante. Une fleur de glace au beau milieu du désert. On est sur le point de faire une pause, on se lancera dans les recherches très vite, mais on voulait vous prévenir car cette découverte ne nous a pas laissé froid. Alors j'ai toujours du mal, j'accroche parce qu'il y a des petits tirés après. Oh, joli calembour, on va apprécier. On vous recontactera, tout se passera bien, pas d'inquiétude, à bientôt. Profitez bien de votre pause. Là par contre, il y a du stock, je voulais savoir s'il fallait en mettre une deuxième peut-être. Où est-ce qu'on peut peut-être mettre... Non, il n'y a que des distributeurs de repas. Ça ne nous dit pas exactement pour combien de guetteurs ça marche. Ah, il y en a un qui revient dans 2 heures, 1 heure. Les voilà. La fleur de glace a disparu. Elle a fondu? Non, il ne reste pas une trace. Même pas une flaque. Mais on va la trouver. Restez ensemble et regardez autour de vous. Séparez-vous et passez la zone au peigne fin. Alors là, c'est là que j'aimerais bien voir. Ah, mais ça, c'est la santé. Ça, c'est le mental. Et là, je me dis que c'est dommage que je puisse pas voir leurs caractéristiques. Parce que ça me permettrait de choisir ou la perception ou le corps. Non, vous restez ensemble. Une fleur de glace bleue au milieu du désert, on devrait déjà l'avoir trouvée. Non, elle est persévérée. Il commence à faire vraiment chaud. J'ai bien peur qu'il faille jeter l'éponge. Vous avez fait de votre mieux. Peut-être que la fleur est aussi partie chercher de l'ombre. On vous appellera si c'est le cas. Terminé. Poursuivez l'exploration. Ouais, ça c'est un peu dommage. Alors qu'on peut avoir ici, par exemple, là, c'était la 2. J'ai utilisé quoi? J'ai utilisé la perception. Donc 4, 2 et 2. Et encore, par exemple, ils avaient 1, 1 et 1. Ça aurait été bien, je pense, vraiment de connaître leurs caractéristiques. Ils sont là dans 4 heures, 2 heures. Les voilà. Oh! Par contre, ils ont tous ramené des échantillons biologiques. Et ça, c'est chouette. Très bien, ils sont en pleine forme. On a un passage de niveau ici, Xavier. On va continuer. Alors voyons, Xavier, il en est où? Il a augmenté quoi? Je sais plus. Mais déjà, il est niveau 2. On va avoir des nouvelles de l'autre mission dans 5 heures. Allez vous poser un peu là. On a pris le cop au niveau 2. Aucune blessure. Et eux aussi ont ramené des échantillons. Parfait. Qu'est-ce que vous avez, vous? C'est quoi les points d'interrogation avec la flèche vers le bas? Voyons, est-ce que ça me dit quelque chose? Peut-être la santé mentale? La fatigue mentale? Bon, très bien, je peux commencer à prendre des choses ici. J'ai 213. On va faire une salle de repos, je pense. Allez, on fait une salle de repos. Est-ce qu'il faut quelque chose de spécial pour chercher? N'a nulle part où déposer ce qu'il transporte. Ok! Et oui, parce que je pense qu'on n'a qu'un seul confinement d'échantillons biologiques. Et on va en faire un deuxième. On va en faire plusieurs même. Voilà. Là, vous pouvez en poser partout. On en est où au niveau des brevets? Ça y est, on en a 5, c'est fait. Et il faut écrire un brevet utilisant plusieurs théories qui fera gagner plus de 2 000 $ par mois. On va faire un brevet sur la régénération. Pour créer un brevet, vous devez assigner un scientifique à la console de brevetage dans le laboratoire. Vous pourrez choisir jusqu'à 5 théories, sachant que plus il y aura de théories, plus le brevet sera rentable. Mais son écriture prendra plus de temps. Alors voyons, le niveau de savoir. On va regarder comment ça se passe au niveau du savoir. Savoir 5, 5, 5, 4, 4, 5. Bah, très bien.
On va laisser Xavier pour écrire le brevet, il me semble bien. On va choisir le textile, parce qu'on a plein de brevets, enfin plein de théories sur le textile. Voyons, je fais ça. Nombre de théories qui seront utilisées pour écrire le brevet. Revenu. Apparemment entre 6600 et 13 000. Basé sur le savoir de l'auteur. Allez, commence à écrire ça, il faudra 5 jours et demi. Avec ta petite machine à écrire là, c'est mignon. Oh, ça fait même le bruit quand on se rapproche. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il est en train de manger. Là, on a encore du stock. Parfait. Ah oui, je voulais voir si ça avait commencé. Non, il faut un bureau de recherche. Je l'avais pas vu. Il faut un bureau de recherche. Le bureau de recherche, on va le mettre donc ici. Bureau de recherche. Et on va y affecter construction en cours déjà. Salutations le Cerbel, comment tu vas? Ouais, ça va l'école, Artag. Franchement, ça va. Arbre des technologies. Ça y est, c'est en train de progresser. On est à 1% là. Est-ce qu'on peut renvoyer une mission de nouveau? Je pense que c'est un peu l'idée, hein. Il nous reste combien? 35 énergies. Ça vaut 20. Mais on nous conseille une équipe de niveau 2. Pour l'instant, on n'a pas assez de scientifiques de niveau 2. Niveau 3 ici. Niveau 2. Niveau 1. Mais 50, on n'a pas 50. Niveau 1, 35, pile. On va se connecter. Créer une mission. Je veux voir qui c'est. La mission 1. Je peux aller voir où les missions. Voilà. Qui c'est qui est en train d'écrire? Xavier, c'est pas toi qui es en train de faire à rechercher une nouvelle technologie ici, Pascal. Toi, Xavier, tu es pas censé dormir, hein. Tu es censé écrire un brevet. On va envoyer le niveau 1, je pense que quelqu'un va prendre tout de suite la place, hein. On va envoyer la mission, hein. Plus 20% d'expérience. C'est parti. Deux tables pour 6 personnes, mais tout le monde mange pas ensemble. Ah, je peux mettre d'autres tables si vous voulez. Il y en a, c'est pour... Tiens, je vais mettre des tables pour les solitaires. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie de la base est critique. Ah oui, on est à zéro. Alors, on va déjà augmenter la taille de cette pièce. Voilà. Et ensuite, on va mettre un nouveau générateur ici. Voilà. On a de l'influence. On a encore de la science aussi. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal, Acta. Nos finances se portent plutôt bien, mais il y a quand même une petite ombre au tableau. Loin de nous l'idée de vous dire comment diriger l'initiative, mais l'inspection du travail a trouvé que nous avions quelques lacunes dans les secteurs de la santé et de la sécurité. Vous pourriez peut-être consentir à embaucher un ou deux soldats. Ça rassurerait tout le monde, et surtout nos investisseurs. Mais oui, mais je veux bien, moi. On va supprimer l'ancienne campagne de recrutement. Mais je peux pas. Rechercher l'infirmerie. Recruter un médecin. Alors, on va faire l'infirmerie. On va la mettre où l'infirmerie? On va la mettre par ici, on va continuer. Ah, voyons. Donc, les sujets qui ont le vent en poupe, ce sont les sujets sur le traitement médical. Ok, le comité nous a filé de l'argent. On a récupéré 10 930 grâce au brevet. On est. Ouais, on est carrément en positif. Alors, il nous faut une infirmerie de quelle taille? D'au moins 30 cases. Ah oui. Donc 6 x 5. Non, alors je peux l'enlever ça ou pas? Ouais.
Ah oui, AirTag en chef d'équipe sécurité, ça peut être bien ça. Donc le brevet textile a été publié. Objectif, faire des bénéfices. Ok, très bien. Par contre, il faut qu'on recherche l'infirmerie. Et moi, bêtement, j'ai recherché la salle de repos. Pour qui? Je vous le demande. Ah, ça coûte que 100 en plus l'infirmerie. On a combien? On en a que 49. C'était pour vous, hein, que j'ai fait la salle de repos, je vous signale. Hein. Le ludique avant la santé. Alors, Actafeldes a ramené. Ça, c'est bien, on a ramené combien? 19 points de science en tout. 411 points d'expérience, Acta, c'est pas mal, hein. Bah, en même temps, je te dis, c'est pas mal. T'es toujours niveau 1. Voir te bouger un peu, hein. Aucune blessure, tout le monde va bien. Ouais, donc Prilcop n'a rien ramené. En même temps, il n'a pas ramené de blessure non plus. On va continuer. Ça, on a dit qu'on mettait quoi? Ah oui, une infirmerie. On est à 96 en science. Mais alors, ça doit pas être ça, je sais pas. 97. Ah, mais il y a plusieurs choses qui doivent en apporter. 99, allez, le sang. Mais oui, bien sûr. Les 100 points pour aller faire l'infirmerie. Voilà qui est fait. Avec plaisir, Satchovitch. Mais déjà, il faudrait que j'en recrute et j'arrive pas à en recruter. En fait, j'arrive pas à recruter d'autres personnages que des scientifiques. J'ai l'impression que pour l'instant, je ne peux pas. Donc là, déjà, on va mettre une infirmerie. On en est où? Au niveau de la recherche, elle avance très très vite, c'est bien. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, Satchovitch. Je pense que quand on va mettre une infirmerie, on va pouvoir recruter un médecin, par exemple. Il faudra aussi un lit médicalisé. Mais si j'ai bien compris, j'ai l'impression qu'il faut le rechercher aussi. Non, coût zéro, apparemment. 600. Ah non, je pense que ça va débloquer tout ça alors? Je pense, ouais. On va voir. Alors, est-ce qu'on peut relancer une mission? D'ailleurs, qui est en train de bosser ici du coup? Donc, il n'y a personne qui cherche. Ça discute, ça dort, ça bouffe. Oh pardon, Sachovitch alors. Sachovitch. Ouais, je sais pas pourquoi, ça sonnait mieux. Non, en plus pas du tout. Sachovitch. Tu as bien raison de me le dire. T'aurais pu le dire bien avant. Hein. 42%. Et la salle de repos, on l'a? Pas encore. On a de l'argent, on va faire une salle de repos. On va la mettre ici, la salle de repos. Allez, combien? Là. Mais on va commencer par l'infirmerie parce que ça va coûter de l'argent. Salle de repos 96%, infirmerie 90%. L'infirmerie, ça a été très 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 vite. Ah, il n'y a pas de nourriture disponible. Bah, si, il y a de la nourriture, vous foutez du monde. Il y a des cuisses de poulet. Donc, l'infirmerie, c'est fait. Maintenant. Elle est là. 18 600. Si là, je vous fais pas une belle infirmerie, on va mettre une porte. Un peu d'intimité hein, quand on se fait ausculter. Est-ce qu'on peut relancer une mission? Parce qu'on n'a que 10 points de science ici. D'ailleurs, on va revérifier. Ouais, ça a débloqué tout ça, donc c'est pas mal. On peut mettre un lit médicalisé. Ça vaut 500$ et de toute façon, ça nous le demande. Une capsule de diagnostic, un distributeur de traitement physique, et il faudra recruter un médecin. Est-ce que maintenant d'ailleurs je peux recruter un médecin? Oui, c'est cool. Alors il nous faudra qu'un seul médecin, donc on va essayer de faire une campagne
Franchement, salaire, on va les payer pas trop cher. Oula, si on met le salaire à 3000 max, on a zéro postulant. Allez, à 5000, on le laisse. On peut le mettre à 8000 et on choisira. Sauf que je sais pas ce que ça change. À part le nombre de postulants, t'en mettre le max, non? À 7000. Là, au niveau des jours, ça ne change rien. 4 jours, on peut mettre sur 4 jours. C'est pareil que sur 5. Et combien vous coûtera la campagne? 10 000. Oui, c'est, je sais, fa. Mais je me dis, dans ces cas-là, autant mettre le maximum et choisir après, suivant les médecins qu'on va avoir. Parce que je me disais, est-ce que ça change pas le nombre, tu sais, la durée de la campagne, le budget de la campagne, ce genre de choses. Mais non, apparemment, quoi que tu mettes. Donc autant mettre au max. Bon là, de toute façon, ça change rien parce qu'on en aura 9, quoi qu'il arrive. Allez, on démarre la campagne. C'est parti. Ça avance tranquillement. J'ai pas beaucoup de petits bonhommes qui s'occupent de tout faire. Ah, apparemment, il est en train de réparer ici. D'accord, en fait, il s'occupe de réparer, creuser, créer les pièces. Effectivement, ça leur demande du temps. Ils sont que 3 en fait. On a dit un lit médicalisé. À quoi il ressemble le lit? Je vais même en mettre 2 des lits médicalisés. Vu les petites natures que j'ai dans l'équipe. Le lit médicalisé, on nous a demandé quoi? Une capsule de diagnostic. Waouh! Ça demande 100 d'énergie. C'est ça, c'est l'énergie, ouais. Je les ai les 100, mais ils veulent pas. D'accord, donc je suis obligé d'abord de mettre un générateur ici. On va vous renvoyer en mission, hein, ça suffit là. Vous n'allez pas rester oisif toute votre vie. Là, on aurait de l'expérience avec l'événement inhabituel. Mais est-ce qu'on a besoin pour l'instant d'expérience? Oui, on va en avoir besoin de toute façon. Mais j'aimerais bien que vous rameniez de la science, moi. 50. Je suis déjà en train de mettre. Alors, combien ça met? Ça. 100. Donc, il faut que j'en mette 2, quoi. Parce que j'ai besoin de 100 déjà pour la capsule. Et je vais avoir besoin d'énergie pour aller visiter une nouvelle planète. Là, on est à 35, 35, 35. Non, pas du tout. Il faut cliquer dessus, Bigada. Là, on est à 20. 20 et 20. Allez, on va faire celle-ci. On va envoyer quelle mission? La 2. Allez, c'est parti. Risque de blessure 27% par contre. Expérience 27%. Ça tombe bien, on est en train de recruter un médecin. Donc pas de panique. Si vous arrive quelque chose, quand vous rentrerez, nous aurons un médecin. Voyons le médecin que nous avons. Ok. À votre avis, quelles sont les compétences qu'il faut pour un médecin? Corps, on s'en fout. Force mentale, oui. Perception, oui. Social, oui. Savoir, oui. Et logique, oui. Tout sauf le corps, en gros. On a un médecin français. Un médecin canadien? Ah, le médecin français est pas mal, hein. Avec 5 en force mentale. Allez, on va recruter. Par contre, 2 en perception. 2 en social. Ouais. 2 en savoir. Allez, on le recrute. Et maintenant, on va pouvoir mettre la capsule. Là, en plein centre. Et il faudra aussi un distributeur de traitement physique. Ça n'est pas là du tout. Distributeur de traitement physique, on va le mettre de l'autre côté. On va le mettre ici. Voilà. Alors, il nous dit qu'il faut une porte, mais il y a une porte. Ah, il faut la fermer? Non, ben non. Je vais pas la fermer. C'est un médecin que tu recrutes, pas un psy. Bah, apparemment, il fait tout. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Il y a rien dedans ou quoi? Commande en cours. En attente de livraison. D'accord. Bon, en tout cas, si la mission se passe mal, le médecin sera prêt. Ah oui, je voulais vous faire une salle de jeu ici.
Vu que j'ai plein d'argent. Avec une petite porte. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'ils attendent ici? Non assigné. Mais je vais l'assigner à personne. Je peux l'assigner directement à quelqu'un? Non, il n'y a pas de blessé, donc ça va. Objectif, prendre soin de vos guetteurs complétés. Le comité vous verse 50 000 dollars. Et Acta a gagné un niveau. Il a gagné un niveau à foutre quoi d'ailleurs, Acta? Qu'est-ce qu'il fout, Acta? Il mange! Acta, il bouffe, il gagne des niveaux! Mais c'est génial! Bientôt, on gagnera des niveaux en dormant aussi! Non mais Acta, sérieux! Ah, guetteur blessé. Aïe, c'est Azurheim. Un de vos guetteurs a été blessé et doit se rendre à l'infirmerie afin de passer dans une capsule de diagnostic. Ok. On a récupéré des trucs, c'est pas mal. Allez, on va réserver celui-là à Azurheim. On peut pas le réserver? Non. Écoute, je voulais te réserver ton lit à Azurheim directement, hein. Ah, mais t'es dans la capsule là. Résumé du budget, on a gagné encore de l'argent. On est à plus 17 000. Popularité des emplois ce mois-ci. Médecin, pas mal. Et scientifique, c'est moins populaire. Par contre, sujet de brevet populaire, la régénération, mais pas le textile. Traitement. Une fois qu'une blessure ou une condition mentale a été diagnostiquée à un guetteur, il va pouvoir être soigné par un médecin sur un lit médicalisé ou pris en charge automatiquement par une unité de soins intensifs. Notez que les médecins auront besoin de traitements pour soigner les guetteurs. Ils pourront les trouver dans les distributeurs de traitements physiques et psychologiques. On n'a pas fait. On n'a fait que le physique là. On n'a pas de psychologique. Il est où Azurheim? Oh, il est sur le petit lit, le pauvre. Oh là là. Il est pathétique. Non, zut. Je voulais pas t'enlever. Je voulais juste voir ce que t'avais en fait. On peut le voir où ça, statue. Il est blessé. On voit pas trop ce que t'as en fait, hein. Je pense qu'il y a le secret médical. C'est pour ça. Donc ça, on laisse comme ça. Mais j'ai vu qu'il y avait un autre truc. Il y a ça là, ici. Distributeur de traitement psychologique. Moi, je vais le prendre tout de suite avant qu'on me le demande, hein. J'anticipe. Juste à côté. Comme ça, notre médecin ne se perd pas. Et ici, on peut mettre quoi là-dedans d'ailleurs? On a une borne d'arcade, un hockey sur table et un jeu de danse. Ça vaut cher, mais j'ai envie de vous faire plaisir. C'est comme ça. Une borne d'arcade ici, un jeu là au milieu et un jeu de danse. J'ai même pas la place pour le jeu de danse, alors toi, tu vas te mettre. On va te mettre ailleurs, toi. On va mieux gérer ça. Parce que là, c'est pas terrible. Ça ici. Voilà. Le jeu de danse. Là. Et la borne d'arcade. Si vous n'êtes pas content, là, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Salutations, Prize. Ouais, je suis trop gentil avec eux. Bon, ils font du bon boulot pour l'instant, donc je me plains pas. On va les renvoyer en mission en plus, ils ne le savent pas encore. On va peut-être pouvoir revendiquer des domaines. On a 330 en influence. Alors qu'est-ce qu'on peut revendiquer ici? 72, 72, 64 et 99, c'est ça? Ouais. Je revendique. Je sais pas trop pourquoi, mais je revendique. Et ça. Oui. En fait, je sais pas à quoi sert l'influence à part revendiquer, donc je revendique. Et ça. Là, niveau recommandé, niveau 3. Niveau 2. On va se connecter. On va créer une mission et on va envoyer la mission numéro 2. Ok. Est-ce que je peux faire d'autres recrutements maintenant? Une nouvelle campagne de recrutement? Est-ce que je vais avoir besoin d'un deuxième médecin? C'est un peu la question que je me pose. Parce qu'on voit qu'ils prennent de l'expérience aussi, les médecins. Donc si je veux avoir deux médecins, il faudrait qu'ils commencent à se faire la main tout de suite. Ah, je peux plus aller voir la campagne de recrutement? Pense qu'elle est terminée, cette campagne de recrutement.
Ouais. Elle a pas duré bien longtemps. On avait dit qu'on devait faire quoi? Oui, on a dit qu'on devait écrire un brevet. Alors par contre, on va quand même regarder parce que Xavier, à un moment, c'était notre scientifique le plus renommé. Mais maintenant, nous avons Acta qui est devant. Ou Bascal. Ou encore mieux, Fafafa. Mais Fafafa, il est parti en mission. Ah. Eh bien, Bascal, allez, Bascal, tu vas aller gratter. Tu vas écrire un brevet sur quoi? On nous a dit que. Qu'est-ce qui était intéressant en ce moment? La régénération? Régénération, c'est dommage parce que. On n'a que trois théories dessus. Voyons. Ouais. C'est pas grave, on va faire on va le faire. Ah bah alors là. Non mais vous... ils sont tous là. Non mais sérieusement. J'ai 7 personnes, j'en ai 2 qui dorment et 5 qui s'amusent. En plein milieu de la nuit, il y en a 5 qui se marrent. Bon, la mission. Fafafa est trop fatigué pour partir en mission. En torse à la cheville, il avait Azurheim. Complètement soigné en torse de la cheville. En 2 jours, super. Moi, j'ai mis 3 mois à me remettre d'une entorse du genou. Donc, on a personne de malade? Non, aucun blessé. Rechercher salle d'entraînement et recruter un soldat. Alors, salle d'entraînement. Elle est où la salle d'entraînement? Ici. Ça coûte 100. Parfait. En fait, j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Une campagne de recrutement. On va mettre soldat. Malgré ce que peut penser le comité, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de faire coopérer des soldats et des scientifiques, mais ils ont raison. Les rencontres que nous ferons ne seront pas forcément amicales. 2000 d'expérience? 3043? Ça me paraît beaucoup, non?